Salut tout le monde et bienvenue sur Icône. Moi c'est Julie et aujourd'hui je vous fais une recette spéciale pour Noël. C'est un genre de forêt noire, mais pas vraiment une forêt noire, à la framboise et à la crème. C'est hyper simple à faire. Du coup, bah, j'espère que cette vidéo vous plaira. Et c'est parti! Pour un gâteau de 6 personnes, il vous faut 3 œufs, 60 g de farine, 90 g de sucre et 30 g de cacao maigre en poudre. Pour faire la garniture, il vous faut 30 cl de crème fleurette à 30% de matière grasse minimum, 15 g de sucre glace, 150 g de framboise, mais vous pouvez aussi prendre des framboises surgelées, du chantifix, mais ce n'est pas obligatoire, et quelques gouttes d'extrait de vanille. Commencez par mélanger les œufs et le sucre au bain-marie. Commencez par fouetter à la main, puis continuez et finissez avec le batteur électrique jusqu'à ce que le mélange double de volume. Ensuite, mélangez le cacao maigre avec la farine. Tamisez le mélange de chocolat et de farine pour éviter les grumeaux et incorporez-le délicatement dans votre mélange d'œufs et de sucre. Dans un moule beurré et fariné, versez votre pâte et enfournez pendant 25 minutes dans un four préchauffé à 180 degrés. Pour faire la crème, il faut que tous les ingrédients soient froids et commencez par battre la crème fraîche. Puis ajoutez le sucre glace mélangé au chantifix. Ajoutez l'extrait de vanille, puis continuez à mélanger jusqu'à obtenir une crème bien ferme. Lorsque le gâteau a refroidi, coupez-le en deux avec un couteau à pain. Tartinez la moitié du gâteau avec la crème et ajoutez les framboises. Ensuite, posez la deuxième moitié du gâteau sur votre garniture. Recouvrez tout le gâteau de crème avec le côté plat du couteau à pain. Ne vous inquiétez pas, ça n'a pas besoin d'être parfait car on va recouvrir tout ça de framboises. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez décorer le dessus avec une douille à pâtisserie, puis décorer avec les framboises, saupoudrer les framboises de sucre glace. Et voilà, le gâteau est prêt à être servi. C'est hyper simple à faire, c'est super joli et c'est super bon. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé et si vous avez aimé, mettez un pouce vers le haut. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Icône pour voir d'autres vidéos de mes copines ou de moi. Et sur ce, bah, je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.